C'est aussi comme ça la Sandra. Apparemment, il est connu, non? C'est ouais, ça ouais. Non. Oui, je vous le confirme, il est connu. C'est l'un de nos cadreurs, là, qu'on a entendu. Ouais, étonné par l'ambiance, le déchaînement de passion là, provoque Kim Seokjin, star mondiale de la K-pop coréenne. Son relais, notre star lui reste très stoïque, quand même un petit sourire. Il a l'habitude hein, de se bénir. La femme olympique en Suisse par Amidou au coréen Jin. tous ses fans réunis. Une formidable journée à Paris avec sur l'aide de la flamme. Et donc Jim qui est là pour assurer son relais. Je vous laisse écouter l'ambiance. C'est un phénomène, vous entendez un petit peu ce qu'il engendre, ce qu'on passe, son passage engendre comme réaction. Il est membre du groupe de K-pop, Bangtan Boys, BTS, BTS. C'est une star dans son pays. Ah, JR est également aux côtés de Léopold Platé, notre graphiste, qui sera dans le musée du Louvre. Ouais, dans un endroit magnifique. On a pensé à vous tout à l'heure devant l'opéra parce que vous aviez projeté il y a quelques mois une de vos œuvres. Là, c'est encore un endroit magnifique pour un moment unique aussi. Et ouais, aussi un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs, comme d'avoir fait disparaître la pyramide en 2016 et de l'avoir fait réapparaître en 2019. En collant avec 400 personnes tous les jours toute cette place. Donc c'est émouvant de revenir aujourd'hui avec la flamme olympique. Ça valait le coup de la faire revenir pour pouvoir porter la flamme ici. Heureusement, ouais. Mais beaucoup de souvenirs aussi. J'ai appris la mort d'Agnès Varda ici, à ce même endroit, le vendredi, le dernier jour où on collait la pyramide. Et donc c'est aussi un endroit avec beaucoup d'émotions. Cette flamme olympique, ça représente quoi pour vous en tant qu'artiste? Mais peut-être que vous avez été sportif aussi. Donc cette flamme, ces valeurs olympiques, c'est quoi pour vous? Ces valeurs de paix, en fait, elles, qui sont les valeurs du sport, de l'idée de rassembler, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et j'avais travaillé sur les Jeux Olympiques de Rio. Et là, de pouvoir venir porter la flamme à Paris, dans ma ville, c'est quelque chose. En tant qu'artiste, vous allez nous offrir quelque chose là? Un petit pas de danse, une petite invention? Je pense que... d'être là déjà présent avec la pyramide, je vais profiter de ce moment et laisser toute la place à la pyramide. Merci beaucoup, amusez-vous bien, profitez-en, merci.
Nadine qui progresse tant bien que mal. Donc, un véritable déchaînement de fans sur son passage. Il reste très calme. Passer le réveilleur, l'éclaireur, comme disait Sandra Laura il y a quelques instants, oui. C'est aussi comme ça, la voilà Sandra. Apparemment, il est connu, non? Mais je vous le confirme, il est connu. C'est l'un de nos cadreurs là qu'on a entendu. Ouais, étonné par l'ambiance, le déchaînement de passion là que provoque Kim Seok-jin, star mondiale de la K-pop coréenne. Voilà, il a terminé son relais, notre star de la K-pop, Jin. Déjà tout à l'heure, c'était de la place du colonel Fabien.